Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Saut Tuto. Nous allons aujourd'hui vous présenter un nouvel objet tout aussi technique que le premier, le Bic 4 couleurs. Une partie bleue et une partie blanche. Il a également 4 boutons poussoirs qui sont colorés à l'effigie de la sorte d'encre qu'ils permettent d'utiliser. Plusieurs usages sont alors possibles. Écrire avec le stylo, sa fonction première, ou regarder le stylo. Deux manières d'écrire avec le Bic 4 couleurs sont possibles. Si vous êtes gaucher, vous utiliserez votre main gauche pour écrire et vous saisirez alors du Bic avec votre pouce et votre index gauche. Vous actionnerez un des poussoirs de la couleur choisie et vous vous placerez face à votre feuille en écrivant le message souhaité. Cependant, si vous êtes droitier, il faudra utiliser votre main droite, celle qui vous sert à écrire. Vous vous saisirez donc du Bic 4 couleurs avec le pouce et l'index droit de la main droite. Vous réitérerez l'opération d'actionner le poussoir, là aussi de la couleur choisie. Attention, si dans la précipitation, vous saisissez du Bic, que vous choisissez la couleur, mais que vous orientez le stylo dans le mauvais sens, l'écriture est impossible. Ça ne marche pas. Le résultat sera identique si vous prenez le stylo du côté droit. Ça ne marche toujours pas. Le stylo ne peut tenir ni sur la pointe, ni sur la boule. Ça ne marche pas. Une troisième utilisation du Bic 4 couleurs est envisageable. Le pen spinning. Ça marche. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Saut Tuto. Nous vous remercions également pour les milliers de messages reçus suite au premier épisode de la série. À très bientôt pour un prochain Saut Tuto. Chers internautes, nous avons besoin de vous pour le prochain Saut Tuto. Vous allez nous dire ce que vous préféreriez entre différents objets tous aussi techniques les uns que les autres. En premier, le trombone, un objet particulièrement difficile de prise en main et avec une forme assez caractéristique. La clé Allen, le pinceau, le Tippex que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Merci Monsieur Aznavour. Le cutter. Aïe.